Hotep Hatshepsut, Natcham Suhor. Je suis en colère. Je suis vraiment en colère parce que j'ai pas de force physique. J'ai pas de force physique pour appeler tout de suite la CEDEAO. J'ai pas de force physique. Et comme d'habitude, si j'avais 14 ans, après ce voyage seul, j'allais pleurer. C'est selon ce que me disait mon papa. À mon âge de 14 ans, je pleurais quand je me réveille. Et j'explique ce que j'ai rêvé. J'expliquais ce que j'ai rêvé. Si j'avais 14 ans, j'allais me mettre à pleurer. Parce que ce voyage astral que je viens de faire est un voyage astral très, très, très négatif pour l'Afrique. Parce que tout ce que la CEDEAO est en train de manigancer, à l'heure où je vous parle, actuellement, aujourd'hui, 8 août et 9 août, à 9h57, il est 9h57, ce que la CEDEAO est en train de faire est très, très négatif pour l'Afrique. Et c'est honteux. Très, très honteux. La stratégie qu'ils ont décidé de mettre en place pour intervenir au Niger, c'est honteux que ça se passe en Afrique. Je voulais vous rappeler, chers membres de la CEDEAO, notre président du Togo, son Excellence, Faure Gnassingbé, vous a dit de privilégier le dialogue, de laisser les armes. Je crois qu'au-delà de tout ce que les leaders d'opinion sont en train de dire, vous avez finalement décidé d'agir, mais une autre stratégie. Cette stratégie, je l'ai découverte aujourd'hui et vraiment j'ai envie de pleurer. Mais je voulais quand même vous dire une chose. Notre confrérie des sorciers des 7 mètres de l'Afrique de l'Ouest, nous avons déclenché le protocole, nous avons commencé le rituel. Parce que Thomas Sankara et Lumumba ont créé un génie au-dessus de l'Afrique. Et ce génie, nous allons l'obliger aujourd'hui à descendre et à visiter chaque président. Et lui montrer le danger qui se prépare dans sa propre vie si vous allez faire au Niger ce que j'ai vu actuellement. J'ai dit bien, c'est très négatif. Pour que vous sachiez à quel point nous sommes précis et nos avertissements, sachez que votre intervention, si vraiment vous la déclenchez, vous allez tuer un papa qui a des jumeaux et une mère qui a des triplés. C'est un signe pour vous que vous sachiez que la chose la plus diabolique qui existe va commencer dans vos vies. Et selon Thomas Sankara et Lumumba, bien sûr leur âme, leur côté spirituel qui parle, tous les présidents africains seront balayés. Il n'y aura que les soldats au pouvoir pour 15 ans. 5 plus 1, ça fait 6. Donc, devant le préambule des envoûtements, je vous déclare le balai, encore le balai. Alors, sachez que si aujourd'hui, le Kunlungun et le diatribe du crapaud ont dit que les vibrations viennent de la même dimension, vous devez savoir que il est vraiment honteux de faire ce que vous vous apprêtez à faire. Nous vous mettons en garde. Je dis bien, nous vous mettons en garde. Privilégiez le dialogue. Sinon, l'Afrique tout entière va sortir et ça ne serait plus l'armée. C'est l'Afrique elle-même qui va vous sortir de vos fauteuils. Et vous allez peut-être aller louer des pièces en France. Mais soyez-en sûr, si vous intervenez, tous les présidents africains seront changés. Ça, ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Une promesse du Kunlungun. Ça, je vous l'assure. Je suis vraiment en colère. Ne le faites pas.
La nouvelle stratégie que vous avez mise en place, nous l'avons vue. Pour que ce soit équitable, sachez que nous n'allons pas déclarer sur les réseaux sociaux ce qu'on a vu. Mais on vous met en garde. Et au même moment, c'est une manière pour que les autres comprennent et de se préparer. Mais, sincèrement, ne faites rien. Cher président de la CEDEAO, CEDEAO des peuples, CEDEAO des peuples, c'était l'idée des anciens, vos parents, vos papas. Mais vous, la jeunesse actuelle, Talon et Macky Sall et consorts, vous voulez ignorer l'idée des anciens? Toi, Talon, ton président, paix à son âme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les intellectuels tarés de l'Afrique. Mathieu Kérékou l'a déclaré. Et tu devais être même l'exemple le plus important. Tu as bien commencé, on t'apprécie. Et aujourd'hui, tu es devant, tu veux dire que par tous les moyens possibles, vous allez attaquer le Niger? Je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Privilégier le dialogue. Après avoir privilégié le dialogue, asseyez-vous maintenant à la CEDEAO et posez-vous la question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette génération nous laisse en paix? Parce qu'elle ne va jamais vous laisser. Elle vous tient au niveau des testicules et elle ne va jamais vous laisser. Jusqu'à ce que vous compreniez que le franc CFA doit disparaître de l'Afrique. Toutes les bases militaires françaises doivent disparaître de l'Afrique. Les soldats doivent être à l'aise dans leur caserne, vivre une vie magnifique. Et non, à tout moment, ils sont là à se demander est-ce qu'une balle va traverser tout de suite ou pas? Les bombes vont commencer ou pas? Chacun doit travailler doux, calmement, harmonieusement dans son travail. Et non, eux vont toujours risquer leur vie. Toujours risquer leur vie. Alors que ce n'est pas tous les présidents qui comprennent ce que c'est qu'un soldat qui risque sa vie. Et l'honneur qu'il fallait s'accompagner. On vous met en garde. Nous vous mettons en garde. N'intervenez pas. Cette nouvelle stratégie que vous avez mise en place, n'intervenez pas. N'intervenez pas. N'intervenez pas. Vous êtes avertis.